Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour une nouvelle partie endiablée de Hearthstone parce que ce soir c'est l'heure du duel! Et mon adversaire du jour est un viewer hein, qui a fait une démarche spontanée. Voilà, comme quoi, regardez, c'est la preuve que je réponds aux gens. Mesdames et messieurs, je vous présente Raziel. Bonjour tout le monde, effectivement, hein, en tant que fanboy, il me devait. C'était une obligation pour moi de tenter ce petit match. Eh bien écoute, c'est avec grand plaisir. Alors regarde, je vais te provoquer en duel, là. Je vais te mettre une petite poussette sur le torse. Ah, je vais répondre à Voilà, cette provocation affirmative. voilà. Et on va tout de suite se faire ce petit duel tranquillou sur Hearthstone. Alors écoute, je t'avoue que j'avais préparé un deck dans chaque classe. Je les ai pas tous testés. Donc pour certaines, tu vas me servir de cobaye. Eh ben très bien, j'adore. Qu'est-ce que... Écoute, non, ça, non, c'est dégueulasse, je sais. Allez, c'est parti, je vais prendre celui-là. On verra bien ce que ça donne. Moi je pars tout un petit paladin. Tu es parti sur du paladin? Ah, petit vicieux. Toujours. Alors actuellement, ouais, c'est le deck paladin, c'est celui avec lequel j'ai mes meilleurs résultats, le palace secret. Ah le palace secret. Ah ce qui m'embête, j'aime beaucoup ce deck, mais on voit tellement. Ouais, voilà, c'est sûr que c'est pas super original. C'est pour ça. Là j'ai sorti un autre petit paladin. Ça devrait te plaire. Ok, ben ça roule. Moi, écoute, j'ai malheureusement, il n'y a pas beaucoup de variantes sur le druide, mais j'en ai trouvé une là qui voilà, qui est assez sympa, on va dire. Et en plus, j'ai pioché la carte qui va faire que cette variante est sympa. La carte mourait en un tour. On va mourir un tour, très spécial. 10 de mana a gagné la partie. Ah merde. Alors, je vois que tu as gagné 2-3 games avec le paladin, vu que tu brilles. Oui, je brille de mille feux, hein. On sent les heures et les heures de train. Ouais, je vois ça. Ouais. Non, très très bonne classe le paladin, plusieurs façons de la jouer, très complète. C'est vrai qu'à une époque, je jouais beaucoup paladin contrôle, mais malheureusement, c'est assez la misère en ce moment pour lui. Ah ben, disons que ouais, c'est différent maintenant. C'est ça. On est moins dans l'optique d'un jeu contrôle avec le paladin. J'espère en tout cas que ça va revenir. Vraiment un gros plaisir à l'époque de jouer ça. Oula, oula, Ouais, oula, voilà. Bah oula. écoute, maintenant je te souhaite bonne chance pour réagir. C'est très fort, c'est comme une carte. C'est un petit peu qui tout double. Bah disons, tu vas faire beaucoup de mal à mon petit deck. Là tu m'embêtes. Là je Ah là, je t'embête. t'embête. Ah bah écoute, c'est un petit peu le but, hein. Ouais, alors on va jouer la carte qui nous sauve. Déjà on va faire ça, hein. Ça va t'embêter. Et ça commence. Ton jeu qui devient un paladin molle, comme par magie. Ah, mais tu avais une égalité! L'égalité, mais je te brûle un petit peu en même temps. Oh, les deux shades hein, qui sont passés, ça c'est cool. Oh, bah, Ça je me t'ai fait pas tant embêté que ça au final. non, j'avais de quoi répondre en main. Mais bon, là je l'ai plus, c'est le problème. Surtout que j'ai un secret qui malheureusement ne va pas servir à grand chose dans cette game. Ah ouais, en effet, celui-là il est. Alors en fait, tu vas vite comprendre à quoi il me sert. Ok. Ouais, je suis Voilà. surpris parce que celui-là c'est un des rares qui se joue pas de secret. Effectivement, et c'est pour ça que je le joue, c'est que c'est tellement inattendu. Ouais. Le Personne mec ne fait joue. Oh my god, il joue ça! Il a sûrement une idée derrière la tête. Cette carte existe encore! Ah, mais c'est partie des cartes qu'on voit jamais, quoi. C'est vrai que. C'est ça. Certaines. C'est marrant, ça d'ailleurs, un deck full carte oubliée. Ouais, c'est clair. Ou alors des cartes jamais jouées. Full carte jamais jouée, genre tu vois l'enragé du magma, la carte que personne n'a jamais jouée, même les gens qui débutent. D'ailleurs, ce qui me fait rire depuis le grand tournoi, c'est l'Enragé de glace. Enfin, en Ouais, gros, c'est son cousin inversé. le même coup, sauf qu'il a un point de vie en plus. C'est Et au ça. final, l'Enragé du magma, déjà qui était inutile, maintenant, mais au fond du trou, quoi. Non, tu ne piocheras pas de carte. J'aime bien pourtant piocher. Ah, tu me déçois. Ouais, je suis désolé. Le druide token. Ah, c'est pas vraiment un druide token. En fait, c'est le druide double combo. Et comme petite réjouissance, donc il y a le fameux mecha là que j'ai sorti tout à l'heure. Ouais, le déchiqueteur qui met toujours bien une bonne value hein, cette carte. C'est vrai que Ouais. Alors voilà. je vois que tu es rang 13, c'est ce que tu fais habituellement ou c'est juste que t'as pas trop joué cette saison là encore? Non, là c'est que franchement, non, j'ai pas encore eu le temps d'assez monter. Non, généralement je peux gratter aller entre le rang 3
3, 4, 5 dans ces eaux-là. Tu montes au rang 3, 4, 5, ouais, quand même. Oui, environ. Bah, c'est bah, surtout que je pense que Hearthstone, c'est pas compliqué en soi quand on a un bon deck, mais il faut beaucoup jouer. Ouais, on est tous d'accord là-dessus, clairement. C'est ça, c'est que, bon, être légende, c'est bien, mais voilà, faut avoir les heures de jeu derrière. C'est ça, bah c'est pour ça que c'est ce qui fait que je suis jamais monté très très haut. Il y a une fois, j'ai un petit peu de tryhard, je suis monté rang 4. Mais sinon, non, clairement, je préfère un petit peu jouer à plusieurs jeux que passer 8 heures sur Hearthstone, hein, parce que les... Oui, c'est ça. Bah, les potes que je connais qui sont montés légende, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, c'est du 7-8 heures par jour, quoi. Ah ouais, voilà. Avoir le temps, parce que t'imagines, le moindre taf t'empêche de faire ça. Ah ouais, voilà, tout simplement. Même, tout simplement, jouer, non, bah, ne pas jouer que Hearthstone. C'est qu'il faut dire, faut les enchaîner, quoi, les 8 heures, sans avoir marre. Tout à fait, donc ouais, moi je t'avoue que ça me freine quand même pas mal, quoi. Ah bah c'est sûr, bah c'est vrai que pour être légende, tu me traites, c'est très compliqué. Bah là je suis dans la misère en fait, qu'on appelle ça. Ah oh, t'as de la main là. Oui j'ai de la main mais je vais pas avoir tout ce qu'il me faut. Donc, on va d'abord faire ça. Bon drop hein, d'ailleurs, à la bande du sorcier. Ouais, j'avoue. Voilà, on va se healer, on va essayer d'attendre. Parce que là je pense pas avoir le meilleur deck contre le tien. Surtout, je vois pas trop ton deck là. Enfin, où c'est que tu m'emmènes avec ce deck? Justement, c'est pas facile à mettre en place. C'est plus fun que viable, à vrai dire. D'accord. Mais je vais essayer de te sortir l'essence de ce deck. Ok, ok. Tout ce qui me ferait mal, c'est le deuxième Fel River. Vraiment, surtout que mes cartes n'ont pas généralement un faible coût. J'aurais été un palace secret, j'aurais pu faire brûler beaucoup de cartes, mais là. Ouais. J'ai pas trop le deck pour. Le zombie show, le fameux. Ah là, je le sors par dépit pour essayer de trade. Hein. Et t'as quoi un petit peu sinon comme t'as que le paladin, héros doré? Oh non, j'en ai trois. J'ai aussi le guerrier et le démoniste. Ouais. Voilà, bon, j'ai ma petite tactique, hein, j'avoue, pour monter un héros vite en doré. Quand je vraiment trainais à fond, c'était rester en 20 avec du deck aggro, gagner en 3 minutes et faire une surène de juste derrière. D'accord. Et tu faisais en 2 semaines quand t'allais assez vite. D'accord, d'accord. Très rapide. Bon, c'est la loose, mais pour le fun, hein, je vais quand même te montrer en quoi consiste le deck. Hein. Vas-y, vas-y. Voilà, le paladin miracle. D'accord. En gros, le combo complet fait 20 dégâts. D'accord, tu joues le... Ok, ok. Voilà, c'est un peu spécial, hein, je le concède. D'accord, d'accord. Écoute, je me rappelle une fois, j'ai fait une partie avec Istos, et il m'avait tué comme ça, ouais. Donc j'en ai un très mauvais souvenir, là, de ce truc. Ta revanche sur Uther. Bon, allez. Je vais pas faire le chat et la souris. C'est le docteur Boom Doré qui t'achève. En doré en plus avec les éclairs tout ça. Ouais il est tout beau. Ah franchement. Alors, qu'est-ce qu'on va te sortir maintenant? Parce que je vois que tu rigoles zéro toi, hein. Tu prends du bon deck. Bah écoute, ouais en fait j'ai pas eu le temps de me faire trop les decks, là j'en avais de base, mais je m'en suis fait un aujourd'hui là, mais bon j'ai fait une vidéo dessus donc j'aimerais éviter là de te le sortir pour toi. Ouais je. Donc écoute je vais aller faire un truc un petit peu plus long. Voilà. Ah. On va proposer aux viewers du bon contenu. Ouais. En fait, de faire du deck original avec tout ce qui circule sur le net, c'est tellement dur, quoi. C'est un peu le problème, hein, c'est... Ah, j'ai failli prendre le voleur, moi aussi. Ah. Le voleur, en fait, c'est la classe, enfin, perso, que je trouve la plus faible, que je maîtrise la moins bien. Bah, malheureusement, en ce moment, le voleur est oublié, quoi. C'est dur, hein. Bah, t'imagines pour moi, le désarroi total, quoi, que le voleur soit pas au niveau. Alors écoute, je suis deg. Là, oui. Je suis vraiment deg parce que je viens de capter le jeu que j'ai. Ah. Merde. Bon, tant pis. Ouais, non, alors c'est pas terrible pour. C'est pas terrible niveau viewer, quoi. Donc. Ah non, t'as pris le. T'as vu quand un patron? C'est la surprise. Allez. Ce qui est bien avec la fabricante d'armure, c'est qu'elle, comme elle va dans tous les jeux, tu ne sais pas encore quel deck je vais faire. C'est du couteau suisse de guerrier. Ouais, non, je suis un peu deck là, vraiment. En plus, celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai fait, parce que c'est vraiment un deck que j'aime pas. Ah, mais si on relance, hein. On relance la game s'il faut. Ouais, on s'en fera une troisième là, t'es caté. Oh là là. On s'en fera une troisième. On va prolonger le plaisir.
je te batte lamentablement. Ah ouais, ou alors, ah ouais, attends, tu vas me... Le dérouillé du siècle. Tiens, après, je veux dire, au niveau du voleur, t'as pas 36 compos non plus. Ah non, mais il y en a une, je pense que tu ne penses pas tout de suite. D'accord. Parce que bon, c'est vrai qu'on se rappelle encore de l'Oil, du Miracle, voire du Maligos. Ouais. Donc lequel j'ai pu prendre? Ah, c'est un patron. Ah là là. Ouais, je suis vraiment désolé. C'est un deck que je sais même pas pourquoi j'ai fait, parce que j'ai horreur de ça. Je préfère vraiment le War Control. La saison dernière, quand il était pété, là, le Grim Patron, je l'ai même pas joué. Bah écoute. Voilà, tu sais à quoi t'attendre du coup. Bah surtout que je ne sais pas quoi faire dans tous les cas, ça va être compliqué, ouais. En plus, je pense savoir ce que toi tu as pris par contre comme deck. Ah, donc laisse la surprise aux viewers, hein, si... Ouais, t'inquiète. Parce qu'effectivement, c'est un deck assez surprenant. D'accord. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais... Une sortie, on va dire, pas ridicule, hein, quand même. Double fabricant, donc c'était... Ouais, non, en plus, j'ai une bonne RNG. J'ai une bonne RNG, j'en profite parce que c'est souvent très rare. Dernière vidéo que j'ai faite, le mec en face de moi, il a eu la RNG du siècle, quoi. Il a... Toujours mieux. Ouais, bon, je pense que cette game va être compliquée. Bah écoute, là, le temps que je sorte mon combo, là, il y en a quand même pour un moment. C'est vrai, donc ouais, je vais essayer de me placer quand même. C'est vrai, le souci de la RNG, c'est vrai que... Ça enlève la part de skill qu'on peut trouver dans Hearthstone. C'est ça, après c'est un jeu de cartes, hein, c'est un peu comme tous les... C'est sûr, mais bon, moi, c'est vrai que ça me fait rager quand je fais une game où, à mon sens, je ne fais aucune erreur, et que le mec, sur un déchiqueteur, par exemple, tape Auspice Funeste, qui me reset mon board, je ne peux plus rien faire, et j'ai perdu. Ah, mais c'est... Ah ouais, non, l'Auspice Funeste sur le déchiqueteur, c'est tellement sale. Ah, on est d'accord, ouais. Mais alors écoute, tout à l'heure là je jouais contre un mage, il a fait effigie sur Antonidas, il a eu Antonidas une deuxième fois, il a remis une effigie, il a re-eu Antonidas une troisième fois, enfin, au bout d'un moment, voilà quoi. Le dieu du skill, il peut rien pour toi là. Ah non, là c'est... Oula, j'aurais dû attaquer avant, un petit misplay. Non, je pense que là en plus j'ai une main vraiment ridicule. Bah écoute, moi elle est bien sortie, mais là après j'ai... Enfin là je vais te laisser le temps, hein. C'est vraiment pas super agressif ce que j'ai. Oh, une morsure de la mort. Ouais. Ah, tu veux de l'armure, oh là. Ouais, je veux de l'armure moi. Tu deviens officiellement un boss de Naxxramas. Voilà. Et t'es 80 millions de points de vie. C'est ça. C'est toujours bien. Voilà. Vois la montagne qui se dresse devant toi. Alors c'est vrai que... Ça, en héros, j'avais acheté le mage. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve, au niveau guerrier, je trouve Garrosh tellement plus badass que Magni. Ah écoute, t'es pas le premier qui me dit ça. Moi aussi, mais si tu veux, comme il brille Magni, que je suis un gros kikou, ben je mets Magni. Ouais, c'est pour ça. Ouais, non, sinon on est bien d'accord, on aime tous Garrosh, quoi. C'est tellement quelqu'un d'intellectuel, de... La délicatesse incarnée, quoi. Prix Nobel de la paix. C'est ça. C'est quelqu'un de bien. Ouais, quelqu'un de bien, ouais. Surtout que le Garrosh, je l'ai en gold, donc niveau brillance aussi. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Oh là. Oh ouais, celui-là de coup de bouclier, il se posait là. C'est là où je suis content de pas être un démonie sec à poser la carte qui me fait subir autant de points de dégâts que la créature subit. Ça, c'est un drop 2, 4, 3. Ouais. Ça s'appelle. Oh là. Ah, écoute, j'en étais sûr, je savais que tu jouais un rogue mal. Que je n'ai même pas compté ma main, donc ça c'est honte à moi. En plus, t'as cramé ta carte maîtresse là. Honte à moi, parce que là, j'ai vraiment fait du grand n'importe quoi. Bon, bah écoute, t'as clean le board. Oui, enfin, après 8 tours laborieux. Et là, voilà notre carte préférée. Non mais je te jure, j'ai des problèmes de mathématiques aujourd'hui. T'as de la latence IRL apparemment, ouais. Oui, c'est ça, c'est le cerveau qui se met en mode off. Oui, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, on est bien. Je vais faire recompter maintenant. On sait jamais. Bon bah ça va, t'as pu faire un recrutement dessus. Ouais, ça va le faire. Sur deux misplays monstrueux. Bon, moi par contre, je vais éviter. Ouais. Que tu recommences à faire du recrutement.
bah écoute, ouais, moi là par contre, je suis un petit peu à poil là. Je t'avoue que. T'as beau me faire piocher des cartes pour me faire venir mon combo plus facilement. Ça ne vient pas. Et ce qui est un petit peu en ta faveur. Voilà, par contre, au niveau fatigue, j'ai le temps de revenir. Ah, ça, c'est sûr, là, t'as de quoi faire. Par contre, c'est bien. Bah, l'ensemble de ma main doit me coûter quoi 10 de mana, je pense, à tout jouer. Ah, bah écoute. J'ai la main plus faible du monde, mais c'est que de la réponse. Du coup, là, c'est quelque chose. Alors, les gens ne réalisaient pas ce que je vais faire. C'est un professionnel qui fait cette action. Attention. Attention, devant vous, le plus beau play de la Terre. La pièce et on passe son tour. Voilà. La pièce et on passe son tour. Ah, ça j'avoue. Ça c'était une action digne des plus grands. Ça c'est le best tour ever. Ah, complètement. Là, surtout que la combo là me met assez mal, sachant que j'ai eu un heal. J'attends mes robots de soins. Voilà, par contre, je vais me faire plaisir. Ah, tu vas faire un sort à mon Torii-san. Ah, je vais le contrôle mental, je vais le. Je vais le retourner dans tous les sens. Le pauvre, là, il y avait personne sur le board, il venait faire un petit peu d'animation, la Torii-san, là, allez, on va tourner la hache et tout. Tiens, je lui fais du mal à ton Toto. Ah, oh là là, il s'est fait... Et il s'est fait, attends, comment ça s'appelle ça déjà? Ouais, il s'est fait attaquer sournoisement, puis écarteler. Et nous piochons des cartes. Ouh, attention, ça y est, là, la meule, il dégaine la meule. Qui part. Ça part dans tous les sens. Un petit shadow. Alors, combien j'ai de cartes là? On va compter avant de refaire des misplays. Tac, tac, tac. On va faire ça. Alors, tu te rends compte que depuis tout ce qu'on a pioché là, et l'état d'avancement de la partie, là, j'ai toujours pas pioché ma petite carte là. Voilà. Ah, bah, tu me l'as détruite. Bon, tu m'en as détruit une. Il m'en reste une. Si au prochain tour, je peux plus faire mon combo, ça va. Là, je suis. Aïe, ça par contre, effectivement, je suis encore miss. Allez, courage. Oh non, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai trop de cartes. My god. Qui part dans ce match-up, t'en as pas trop eu besoin. Bon, regarde, je vais t'aider à me meuler. Ah, c'est gentil, t'es quelqu'un. Ouais, je suis un mec qui aime le beau jeu, moi. Ah oui, alors là, c'est... Bah, surtout qu'effectivement, si ta combo, tu la sors pas assez vite, ça peut... Je peux m'en sortir finalement. Ouais, c'est pour ça que ouais, je commence à. J'ai une carte, j'ai du Murloc. Je vais pas te dire que je commence à baliser, mais voilà quoi. Puis en fait, il faudrait que je commence à arrêter de te faire piocher des cartes. Ouf. Faudrait que je commence à. Ouais, c'est ça aussi, tu vois, ça fait partie. Alors écoute, cette game elle restera dans les annales comme un ensemble de moves absolument dégueulasses. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans les misplays des rangs 25. Voilà. Voilà, bonjour, nous sommes rang 25. On nous a donné des decks donc nous ne savons pas utiliser. Et ben ça donne ça. Ah, c'est du gros jeu, hein, vraiment. On est sur quelque chose d'assez sympa. Là, tu m'embêtes quand même avec ton truc. Alors écoutez, moi je suis l'homme quand même qui joue contre un rogue meule et qui se meule pour aider le rogue. C'est vraiment. Ouais, écoute, j'ai lancé une nouvelle mode. Alors, tiens, Torii-san, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Il va nous aider. Hein. Bon, je pense qu'il va se manger un heurte de bouclier assez violent de ta part. Non, il va se prendre un heurtoir. Qui va me faire piocher, n'est-ce pas? Oh, ça la pioche, c'est fantastique. Mais ouais, alors du coup mon combo, mon jeu tombe un peu à l'eau là vu que tu n'as rien sur le board. Ah donc, oui, effectivement, pour comboter, ça doit être la misère. C'est voilà, bah, ça donne ça. Bienvenue. Oui. Effectivement, surtout que tu risques d'être assez déçu par ce qui va se passer. Ah, je me doute que tu vas faire tournoyer la lame là. Non, je vais même pas avoir besoin de ça. Ah ouais, tu ne vas même pas dénier. Non, absolument pas. On va juste faire ça. Attention. Alors ça, mesdames et messieurs, aussi, c'est un play vraiment, vraiment cancer, qu'on appelle ça. Voilà, on lui supprime toute forme de charge, et en plus, on récupère... Ouh, ah ouais, d'accord. Effectivement, mais au moins, ça me redonne mon heal, et oui, en fait, j'aurais dû le détruire. Bon, on va le garder au cas où pour un play dessus, effectivement. Alors écoute, je n'ai plus de cartes. Ah. Est-ce que tu peux me tuer avec ce que tu as? Je sais pas. Sans charge. Ça aussi, c'est un défi pour un patron. Je sais pas. Je ne sais pas du tout.
Est-ce que tu peux montrer à la foule qui est le patron? Non. Pas encore. Pas encore. Bientôt, bientôt. On espère. Alors écoute, ouais, là, je t'avoue que je commence à m'interroger un petit peu. Alors il me reste un espoir. L'espoir qui est que j'étais à l'usure, mais j'y crois plus trop. Alors, oui, les gens, on va faire ça. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça va commencer à faire mal. On va te faire avancer. Pouette et pouette. Toujours, toujours bien, toujours bien. Alors, tu n'as plus les execute. Ça, je le retiens. Non. Le coup, ça peut peut-être m'aider. Du coup, je vais juste faire ça. Je vais trouver le doré en main, vu qu'il brille de mille feux. Oh, c'était le plus beau, quel dommage. Oui. Ah, par contre, il te reste un hurt. Donc, ça, effectivement, c'est aussi quelque chose qui m'emmerde. On va trouver le deuxième. Hein. Oh, bah. Soyons fous! Voilà, soyons. Oh, bah tiens, un petit recrutement aussi. Oh, aïe, 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 aïe. Je vais tellement être fatigué. Là, ça va sans doute commencer. Allez, on le rejoue. Oh, oh là là. Voilà. Mais je n'ai plus de cartes, enfin. Tout va bien. Bon, bah écoute, heureusement que j'avais beaucoup d'armure, n'est-ce pas? Là, oui, parce que du coup, tu peux résister encore un paquet de tours. Là, ça ferait 6... Tu aurais été nul, moi. Ça te fait un bout. Hein. Et voici le Green Patron. Sans patron. Ah, c'est... Pareil, c'est concept, hein. Ici, on vous montre vraiment un jeu très très différent de la méta. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, cette situation, j'avoue, elle est assez cocasse. Figure-toi que c'est quand même pas mal de record de ça, tu vois, parce que ça fait un petit peu la bande à Basile qui joue à Hearthstone, quoi. C'est la découverte du jeu, en compagnie d'Omegazel. Omegazel va-t-il mourir de fatigue? Raziel va-t-il survivre? La Blade Fury! Ah ouais, et qui va bien en plus. Ah là, qui va totalement bien, et là, on va commencer à se faire plaisir. Ouais, et là, ça va commencer à fatiguer grave. Alors du coup, je sais pas si ma maîtrise du blocage est worth it, là, pour le coup. Alors, sachant que tu gagnes 5 points d'armure, mais tu perds 8 points de vie. Et on va conceal tout ça, tu sais quoi. Aïe, 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 le petit salopio. Ah, mais en fait, regarde, la petite bichenette, et on est à 10, tout pile. Voilà. Ah, le beau jeu. Ah, le beau jeu. Ah, c'est pour la millimétrée. Ah, c'est vraiment le Barça de Hearthstone là qui joue. On voit un jeu très technique, hein, qui est maîtrisé à la perfection. Alors écoute, bien malin, la personne qui, quand elle a vu le début de la partie, s'était dit que c'était toi qui allais gagner. Mais c'est ce qui fait la beauté du jeu de cartes. Ah là, le pari, ma cote était pas énorme au début, hein, mais là, effectivement. Hein. Eh ben écoute, un gros GG à toi. Nous allons donc pouvoir jouer en toute légalité la belle. Ah, alors là, je vais te sortir un deck vraiment, vraiment fun. Alors écoute, moi par contre, je ne sais pas quoi te sortir. Moi j'ai un deck Hunt, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Alors attends, je réfléchis. Ouais, non, bah ouais, voilà, dans le doute, si jamais j'ai fait un Tard, je vais pas le jouer. J'ai une sur ça, c'est véridique, hein. J'ai rencontré un Tard sur le ladder une fois de plus. Bon, ça devait être, je crois, le 3 ou 4ème de suite. J'en ai vraiment marre. J'ai ouais. Juste envie de lui dire, alors, t'es fier de jouer ça et tout. Ah bah oui, ah oui, c'est quand même marrant. Je fais, putain, mais comment tu peux t'amuser? En gros, hein, je paraffe. La version édulcorée, tu vois, on enlève les putains et les enculés de la phrase et ça donne ça. Bon. Mon bon monsieur, moi je m'éclate à jouer ce deck à longueur de journée. Et c'est là où je me dis quand même... Bon... Ah ouais, non mais écoute, je les insulte moi les mecs, hein. Je suis tout seul derrière mon écran, je pique des crises, t'es là, tu veux tester tes jeux ou quoi? Eh ben t'as le Huntard là qui arrive et c'est fini au 6ème tour. Ouais, c'est un petit peu le cancer de Hearthstone, le Huntard. Hein. Et je vois que tu as pris un Hunt, espèce d'enfoiré. Ah mais... Aussi, je ne joue pas Huntard. Ça, je ne me respecte, j'en reste trop pour ça. Ah, écoute, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bien. Oui, oh, je suis. J'en connais tellement qu'ils ne se respectent pas, moi. Donc là, on va faire un petit piège, on va commencer les hostilités. Par contre, écoute, il y a... Comment ça s'appelle déjà? Il y a un jeu Hunt, là, qui est sorti sur les réseaux, là, récemment, là, tu sais, qui est joué par Ouzon.
qui est vraiment super fun à jouer. Celui avec avec les dragons que tu invoques quand les créatures meurent. Tu as le Drake volcanique? Le Drake volcanique, oui. Voilà. Alors là, non, pas du tout. Ah, ce n'est pas celui-là? Non, 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 un deck. Alors là, si tu arrives à deviner ce que c'est, ah, je... Bon, attends, je vais attendre un petit peu là que ça se passe et on va voir. Parce que normalement, quand tu comprends c'est quoi le deck, tu es mort. Ah! C'est un peu le... Alors écoute, j'adore ce genre de teasing. Là, tu viens vraiment de... Là, je te vends du rêve. Voilà. Alors... Ah, le dragon nice, hein. C'est... Alors, c'est pas vraiment un prêtre dragon que j'ai, hein. C'est... Enfin, c'est oui et non. À moitié. Ouais, voilà, à moitié. C'est pas le vrai, quoi. Voilà, on va clean, tout simplement. On va passer, en force. Voilà, avec la mop. C'est ça. Bon, eh ben, ça bourre pas mal, là, cette histoire. Oui, on fonce dans les PV, hein. Bah, c'est vrai que je me dis, sachant que ça m'a l'air que... J'ai l'impression que t'as un deck contrôle. Oh là, un bon deck anti-agro tout ça. Ah bah ouais, bah disons, alors, bah, il tombe bien, tu vois, contre Hunt. Effectivement, après je ne suis pas agro, hein, ça... Ah, donc si tu ne joues pas agro, je crois savoir quelle est ta carte maîtresse. Mm-hmm. Et sur laquelle tu vas t'appuyer. En aurais-je trop dit. Ah bah ouais, enfin là, disons que... Ouais, après je veux dire, voilà, le Hunt, il n'y a pas non plus 36 solutions. C'est ça. En tout cas, c'est un deck qui a du mal à passer en ladder, mais... En match comme ça, je m'éclate. Bah écoute, c'est le principal. En ladder, de toute façon, maintenant, pour monter, t'as plus trop de choix, quoi. Je veux dire, il y a un deck qui marche dans chaque classe. C'est vite vu. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Nous arrivons au sixième tour. Alors là, je suis un petit peu perplexe. On va essayer de chercher de la carte. Voilà, j'en étais sûr. Il joue Prêt à tirer, qui est la carte la plus fun qu'ils ont sortie au grand tournoi pour le Hunt. Alors, on va aller chercher de la carte. Parce que là, il nous en faut. Alors, les prêts à tirer, on peut les jouer aussi par deux pour que ça double l'effet. Ouais. Alors, écoute, le jeu que tu joues là, je l'ai essayé. Et effectivement, il a pas de résultat en ladder, mais il est tellement bon, tellement fun. C'est quand il sort bien, c'est tellement drôle. Ouais. Non, je valide totalement. Je manque un petit peu de créature. Oula, un Deathlord. Oh là. C'est pas le feu intérieur qui fait mal. Moi. le double esprit divin, feu intérieur, et bim, t'es mort. Ah. C'est un petit peu l'idée. Alors nous, on va juste faire ça. Hein. Voilà. Oh, ça c'est vraiment pas gentil. Oh là, oh là. Alors ça. Le vilain. Voilà, au moins, on se doute bien qu'on se crée... Ah, oui. Ouais, je vois à peu près où c'est que tu veux en venir, là. Sans le piège givrant à 15 km. Bon, tu lui, j'ai quand même voulu mettre un petit réflexe pour au moins que tu perdes du mana pour éviter de te laisser trop t'installer. Eh, mais je vais te filer une créature là. Oui, une balle. Ah, ah bah écoute, tant mieux, ça c'est sans moins qui proquera. Je te laisse finir, hein. Oh là. Oh. Ah, s'il vous plaît, monsieur. Respectez mon autorité. Laissez-moi tranquille. Là, ouais, tu m'embêtes un petit peu. Là, t'as de la main, hein. Je veux dire, le chasseur, le seul problème qu'il a, c'est que voilà, là, vers les tours 7 et 8, il a la main un petit peu vide. Ce qui n'est pas le cas de ton deck. Non, effectivement, c'est un assez bon avantage. Le buzzard affamé, mesdames et messieurs, le grand retour du buzzard affamé. Cette carte était absente depuis 2008, hein, dans tous les jeux chasseurs. Voilà, et d'ailleurs, nous allons célébrer son départ aussitôt. Au revoir. Écoute, c'est sympa d'être passé nous voir, le buzzard affamé. Bisous. Allez, bon retour. Bon retour chez toi, parmi les tiens. Là, par contre, j'aurais peut-être dû me healer moi, tu vois, si j'avais été un mec intelligent. Ouais, là, de toute façon, je pense pas avoir de quoi te finir tout de suite. Contrairement à toi. On va aller voir ce port d'huile. Ah, écoute, alors cette carte, j'ai rien contre elle, hein. c'est vraiment personnel. Moi, elle ne marche jamais, la joute. Je n'ai jamais pioché une carte avec cette saleté d'éléphant. La non-chance, la plus totale. Ouais, non, c'est triste. Hein. Eh, on s'approche, hein, sans déconner. T'es à 10 PV. Ouais, c'est. On va peut-être un petit peu calmer le jeu là. Ah, tu te mets double flash heal, flamme sacrée. Voilà, alors messieurs, dames, s'il vous plaît, un petit peu de calme, voilà.
Moi, je vais peut-être commencer à me soigner. Sinon, ouais, ça pourrait être un con à une idée aussi. Oh là. Voilà, je... Ça, c'est bien une carte que je hais partout, dès que je la croise. Le truc de Vélène, là? Ah ouais, c'est, je trouve ça infâme. Ah, elle est fun. Bah, je trouve le pire, c'est le croc zombie T1. Et T2, il te fait pièce plus ça. Et t'es un monstre. Et là, et là tu sors ta pagaie et tu rames. Et tu rames. Ça. Donc, on va quand même bourrer, parce que bon... Lâchez les chiens. Allez, on essaie de la faire à la tarde. Ah, mais t'essaies de me poncer. Ah oui, y a peut-être moyen, donc... Mais... alors... Fonce dedans. Réfléchissons un petit peu. Ça nous fera pas de mal. Ouais, non. Non, c'est... Non, j'arriverai pas à grand-chose. Donc, ouais. On verra. Ouh là là, faut pas espérer que j'ai de l'ordre de tuer, chose comme ça. Je suis... T'as réussi à me mettre dedans, quand même. Là, ouais. Alors, et on obtient... Oh oui, la plus belle fin possible. Oh, c'est pas possible. Un GG. Oh, aïe, le maligosse dans le jeu chasseur. Et... Oh, énorme, j'applaudis. Quel panache, les gars, il a fait le spectacle. Là, franchement, apprécié, il a fait le spectacle. Et sur le top deck. Non, là, alors un gros GG, Raziel, là, c'est ça, c'est vraiment... C'est ce qui va faire que cette vidéo-là, putain, elle a du cachet. Elle a dû cacher. C'est plutôt épique. Bah écoute, voilà. Hein. Oh, je finis avec une défaite supplémentaire, mais alors ravi par le spectacle. Vraiment. Et du gros jeu. Hein. Ah ouais, du gros jeu là, c'était vraiment cool. Voilà. Bah, d'accord, hein, on partage à YouTube. On partage à YouTube Money. Hein, c'est rien que sur ce move, mec, tu vas me faire avoir du vu là. C'est cool. Hein. C'est vraiment cool. 4 milliards de vues, on attend les gens là. Ouais, voilà, vous voyez, plus que de y a de gens sur cette planète. Voilà, c'est ça. Refreshez la page 14. Ben les gars, il me reste à vous remercier d'avoir maté la vidéo, à remercier Raziel d'être venu faire ce petit fight avec moi. Franchement, c'était cool. Hein. C'était avec grand plaisir. Je te remercie d'avoir fait l'effort là de trouver du deck un petit peu fun et pas de trouver du deck qui se joue en ladder. Par contre, voilà, j'ai pas fait cet effort. J'étais un petit peu surpris là. J'avais fait des decks, j'avais cherché des decks sur le net. Et au final, c'était des decks qui se jouaient régulièrement. Donc voilà, et ben ça m'apprendra, voilà, j'ai perdu, voilà, en voulant tryhard, voilà, bien fait, tiens, genre, je me frappe et tout. La grosse carte. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous pour prochainement pour une nouvelle heure du duel, hein, si vous souhaitez, venir faire des duels comme Raziel contre moi, il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir pour des parties endiablées avec du fun et des moves astronomiques comme le tir des arcanes Maligos qui te finit, c'était juste OP. Royal. A bientôt sur la Zell Kitchen pour du Hearthstone, du HOTS et pour d'autres réjouissances. Ciao ciao! Allez, salut les gens.